Protostar Corporation n'est pas responsable des blessures pouvant survenir lorsque vous vous précipiterez pour profiter de cette offre limitée dans le temps. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la plateforme de l'épisode 2, chers amis, j'espère que ça va aller au niveau du son. Moi j'ai installé Windows 10, ça a modifié plein de petites choses, j'ai même l'impression que Windows 10 en lui-même est plus lent. Ce que je n'apprécie pas. Parce que j'ai quand même un PC qui coûte assez cher, qui est extrêmement performant normalement, et je le trouve extrêmement lent. What the fuck? Vous voyez par exemple ça, ça n'arrivait pas avant. Alors on se calme. Sonnez à la porte de la maison de l'Ouest, nanana nanana. Ok, bah c'est ce qu'on va aller faire. 45 mètres, oui d'accord, oui c'est celle-là j'imagine, tout connement. Bon, nous voilà partis. Tu vas ouvrir? Bon. Maison du Nord. Ouvre putain! Qu'est-ce que t'en penses? Ah, parfait, je t'attendais. Mais je me doute. Fouiller la ferme au nord. Putain. Oh. Salut la grosse bébête. Salut la grosse bébête. Tiens, bouffe mes épées. Tiens. Bouffe mes épées. Bouffe ça aussi. Hop, ça c'est fait. Le début de l'omnifortune. Oh là là, mais c'est qu'on va se calmer. Hop, tiens, bouffe. Crac, bah alors ça fait mal. Tiens, on m'appelle. Je détecte des profits potentiels. Je vois que vous avez obtenu votre tout premier omnibit. Comment mieux l'utiliser en achetant un objet dans notre boutique de jeu. Allez donc y jeter un coup d'œil. Très bien, j'irai voir ça. Si vous êtes là pour Protostar, Protostar est là pour vous. Ok, équipement floral, costume complet du vétéran. C'est moche. Boire et conduire est irresponsable, mais boire et l'éviter, c'est encore flou. Cet achat n'est pas utilisable que par un seul personnage. Nanana. Compatible avec tous les overboards. D'accord, c'est un overboard, littéralement. D'accord. Ok. Alors, en temps limité, d'accord. Les différents packs de jeux, holopendrie. Oh, c'est stylé ça. Moche, je n'aime pas en tout cas. Trop simple. Non. Oh. Stylé, mais pas du tout en rapport avec la classe. Un peu plus rapport avec la classe, je trouve. Non. Bon. Niveau des teintures, nanana nanana. Ok, au niveau des armes, pas intéressant. Hébergement. Nouveau ciel, lot de décor. Ouais, ok, donc ça c'est peut-être... Ce serait bien d'avoir la maison avant l'hébergement. Enfin bon, c'est pas grave. Monture. Ah. Overboard, exécutif et ensemble de déco. Non, nous profitons d'abord avec l'overboard officiel Protostar, par Protostar, déco incluse, offre limitée probablement. Cet achat n'est utilisable que par un seul personnage. Ouais, il est stylé en tout cas. Pas mon style, mais stylé. Monture terrestre. Ouais. Ah. Bécane drag, alors ça c'est stylé. Mais ça, ça a l'air encore mieux. Soyons honnêtes. Forcément en rouge, ça serait stylé, mais bon, on est loin d'avoir les omnibits qu'il faut. Jouer, compagnon, d'accord, consommable, déblocage. Artisanat, clé, devise. M'intéresse pas. Bon, bah après ce petit instant, c'est quoi? Un daguin de l'espace. Eh bien écoutez, on va aller l'équiper. Après tout, ça doit être ça, normalement les informations. Non, c'est pas ça. Les objets, inventaire du compte, voilà. Un daguin de l'espace, lié au personnage. Confirmé.
Transaction réussie. Normalement, il est dans mon inventaire, c'est ça? Même pas? Si? Là. Succès obtenu. Pourquoi pas? Dans mon inventaire, j'ai d'autres objets d'ailleurs. Nul, nul. On est toujours pas atteint le niveau 15. On avance pas, mais c'est pas grave, hein. On va faire ça au fur et à mesure. Compagnon, je dois bien voir ça dans les C, non? Contrat, folklore, nanana, nanana. Studor combat peut-être? Divers? Non, non plus. Holopendrie peut-être? Y'a pas genre un système où c'est marqué compagnon? Non. Recherche de contenu, réseau social, ouais, personnage peut-être. D'accord, changer de titre, non. Placement gadget, montagnard, accessoire d'armes, d'accord, bah alors! Où est-ce que je suis censé le trouver, ce putain de compagnon? Bah, et on a trouvé. Ah, attendez. Transport rapide, succès. Personnage P. Ouais, non. Ah, par contre, je peux les accrocher. Donc, l'holopendrie, par exemple, si je peux. Hop. Voilà, l'appareil là. Ah, c'est pas cool. Ça. C'est plutôt cool, putain. Pardon. Excusez-moi, je me plante. Carte, contrat, envoi d'éthique à distance, folklore. Grave. Oh, et tu me saoules! Et boum! Oh, t'as survécu! T'as survécu! Non mais oh! Respecte-moi un tant soit peu! Où est-ce qu'il est censé être ce putain de. Recycler, hop! Recycler, hop! Ça c'est fait! Bonne fortune de Madame Frey, inventaire du compte peut-être? Bah non! Il vient déjà de le prendre. Personnage, ça devrait être là-dedans normalement, non? Vocation 1, bah oui forcément, changer de titre, nouvelle recrue. Le Bristère, pourquoi pas. C'est pas dans les quêtes, non. Contenu, non. Réseau social, encore moins. Mais c'est triste! Impossible de trouver. Où est cette fichue bestiole? Incroyable. Sidor combat. Plongeons. Placer une balise exploratrice si tu veux. Non. Permis de voyage, mais non, mais. Bon bah ellipse, je vais chercher. Bon alors. Objet de collection apparemment il y aurait. Voilà. Oh. Un daguin de l'espace. Ah bah écoute, on va l'invoquer. Ah puis il est stylé, il est gros, c'est comparé au compagnon dans les autres MMO, c'est toujours plus petit. Ah bah tant mieux, tiens. Alors, la il y a un event. 700 mètres, par contre, ça fait beaucoup, hein. Mais bon, ça va être un event assez balèze. Tuer le seigneur des marais. Ouais, non, c'est trop loin. Fermier de... What? Oui, il a une quête là. Ah mais... Je vous ai déjà buté vous. Et de 1. Ah non, même pas. Il a survécu ce sac. Voilà. Problème résolu. Rohan mutilé. Bon. Il y a de la bestiole.
Ok les filles. Triple tuerie. Merci. Ellie l'a détraqué, bonjour. J'ai peur que les choses ne soient plus jamais les mêmes. Et c'est la voix de Cersei Lannister. Génial. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un piaf. Bouffe! Putain, ça l'a pas tué. Boum, boum, boum! J'ai senti mes épées? Wouah, la gueule! Boum! Alors. Triple tuerie. Voulez-vous la mettre? On peut se la mettre. Hop. On n'a pas tué un seul, je croyais que ça allait en tuer un petit peu. Mais non. Hey copine! Copain, je sais pas trop si c'est un garçon ou une fille, mais. Allez machin, on va dire. Hop là, allez on bourre. Hop là. Alors. As-tu la moindre idée de qui je suis ? Un acte d'agression. Ces Zictiens n'ont rien à faire à Elevar. C'est un acte d'agression contre le Dominion. Traque-les et tue-les tous. Une dame. Tue-les. Tue-les tous. Ça fait mal? Excuse-moi, j'ai pas fait exprès. C'est fait. 5% seulement là. Je vais devoir en tuer un paquet. Hein. Oh, il est beau celui-là. Il est beau. Tiens, vas-y. Bah alors. Oh, j'avais un copain. J'avais même pas vu. J'avoue, je suis vexé. Allez, hop les. Bourre. Double tueur, bah si tu veux. Hein. Hop les. Brutal. J'aime bien quand il me parle comme ça, dis donc. Salut les filles! What the fuck, c'est quoi ces trucs? What the fuck? Et de 1. Oh la vache! Vous avez passé l'arme à gauche. Si vous vous trouvez dans le monde ouvert, vous pouvez ressusciter à l'holocrypte la plus proche ou payer pour qu'on vous ranime ici. 36 PA. Ça coûte cher. On y retourne. Ça fait balèze toi mon pote. Quoi? Mais j'ai largement esquivé. Mais là aussi je l'ai esquivé! Salaud! Tu me la mets dans le fion un peu trop souvent! J'aime pas ça! J'ai terminé mes sondages dans cette région et je suis impressionné par sa diversité géologique, tout comme ce fut le cas dans les autres zones de cette planète. Il est difficile d'imaginer un lieu plus propice à la mise en œuvre du projet, même si je mets toujours des réserves quant aux conséquences.
de notre éventuel succès. Sans surprise. Oui, oui, on a compris, t'es triste, machin comme ça, des trucs. Tiens, vas-y, t'es de mon côté maintenant. Crac. Ok. Mon coin revendiqué, mais avant de placer le drapeau, d'accord, on a chamé le truc. Yo. T'écoute. Quand tu revendiques un endroit, oui, non, ça j'ai bien compris. Ce n'est pas la peine de me le demander, j'ignore ce que sont ces trucs. Ok, c'est utile. J'ai enfin réussi à utiliser la balise de détresse de Lydia. Elle est mise depuis l'intérieur de cette tour. Je vais pirater ce panneau de contrôle pour entrer. Je vais libérer les villageois. Ne t'inquiète pas, j'ai pensé à tout. Dans les grandes lignes, en tout cas. Putain, ils sont deux. Ok, bouffe. Il m'a donné un pantalon. Je crois que c'est un pantalon. Un Bermuda en hyper vortex de prévisionniste. Putain le nom. Ok, je crois que je l'ai fait. Excusez-moi, ça me chatouille. Hop, voilà. Au rapport, immédiatement. Je les ai butés. Merci, tu ne pourras jamais parler avec la bénédiction de Dominus. La bénédiction de Dominus. Et je ne peux pas utiliser ce putain de pantalon. Niveau requis 12. Ah oui, non, je vais pas le recycler. Je peux pas l'utiliser parce que j'ai pas le niveau qu'il demande. Peut-être pour ça que j'en chie dans la région en fait. What? Mais j'ai bien appuyé. Ah, c'est parce que je me suis déplacé. Oh là 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 là. Hop les... What? Bouffez ça! Hop les... Salaud! Alors... Désactiver les générateurs de oh putain, ils sont nombreux par là. Repop toi. Hop. Oui, j'ai bien compris que vous m'aviez vu, mais là n'est pas la question, c'est pas toi. J'abuse complètement du système de repop hein. Soyons honnêtes, c'est vraiment de l'abus là. Ok. Terminé. On va retourner voir le mec du Dominion. Bonjour. On dirait que tu t'y prends bien pour ce qui est des villageois. Ils sont en sécurité désormais. Finissons cette mission toc, et on sera bon. Je crois que c'est bon. Si Lydia se trouve quelque part, c'est là-dedans. Allons-y. Dépêche-toi un peu, mon petit. Oh. Allons-y. Alors. Excusez-moi, je suis encore à moitié malade. C'est d'une violence. Savez-vous que vous pouvez gagner l'XP de repos plus vite quand vous vous connectez dans votre maison et que certains objets de déco jetés dans votre maison peuvent encore augmenter vos gains d'XP de repos? Oui, mais je sais même pas où est-ce qu'elle est, ma maison. C'est facile de me dire ça. D'habitude, je suis plus pour fuir les ennuis, mais s'il faut se battre... Je t'aime pas, toi, de base. Toutes les données doivent être analysées. Ce qui est drôle avec analyser, c'est que... Il y a Isé. Bonjour. Bonjour, jeunes gens. J'ai pas eu le temps de voir. Êtes-vous ici pour rejoindre cet enfant? Je la ramènerai pas trop à ta place. La Posca et certains certains de mes amis sont humains. L'humain pense avoir le contrôle de la situation, fascinant. Écoute camarade, tu peux pas voler tu peux pas voler les gens comme ça, tu vas finir par nous foutre en rogne. Quand on comprenne un seul humain ou une centaine, ça ne fait pas. Bon.
Hop là, bah alors. Tu la ramènes moins là. Boum. Je pensais que ça allait suffire. Tiens, bouffe mes épées. Bam. La première. Il était temps que tu arrives. Quoi? Les héritiers soient loués. Ça, c'est fait. Je pense que des remerciements s'imposent. Oui, oui, la certaine cette horreur était de l'excellent travail. Maintenant, ramène-moi près de mon père. Ce voyage n'a été qu'un long cauchemar. Oui, madame. Je veux tout entendre. Eh bien, c'était terrifiant. Je ferai savoir à Oracos ce qui s'est passé. Voilà ta part. Beau travail, gamin. J'ai une dette envers toi. Une histoire improbable. Il faut que je ramène Lydia près de son père. Toi, tu devrais aller voir comment les habitants de Val-Egmir. Comment vont les habitants de Val-Egmir? Une de mes connaissances du SIR te rejoindra là-bas. J'y vais de ce pas. Ah, je me sens déjà beaucoup mieux. Enfin, pourquoi je les sens bien, cet équipement? Je le sens bien, cet équipement. Au niveau du steel. Alors, l'avantage maintenant, c'est qu'on a l'holopendrie ici. Ah oui, il faut qu'on fasse débloquer, c'est ça? Donc j'aurais pas dû cliquer, c'est ça? Holopendrie. Débloquer les costumes, voilà. Voilà. J'aurais pas dû faire échappe. J'imagine que c'est ce Bermuda là que j'ai reçu. Et il est atrocement laid. Élégant, ça doit être cela. Même pas, c'est quoi comme gant que j'ai pris? C'est cela peut-être. Brassard, il tient. Ouais, ils sont marrants, tiens. Je vais les mettre avec ce pantalon jaune du pur style mauvais goût. Hop, voilà. Au niveau des épaulettes, on les range. Est-ce qu'on peut les effacer? Voilà, parfait. Voilà, du mauvais goût à l'état brut. Voilà. Allez, on y va. Pipiripiri. Alors, retour sur Olicia. Vous me parlez d'une maison, putain, je suis pas prêt de l'avoir à ma maison, putain. Bye. Aïe. Aïe. Cassez-vous. Cassez-vous. Oh là. Non, j'ai cru voir un truc voler au-dessus. Pas su dire ce que c'était par contre. Parler à l'agent quand il... Ah bah oui, en plus il est pas d'accord. On y va. Oh, il est tellement moche ce personnage comme ça. Mais t'es... Comment je suis censé aller... Oh, je sens que la chute va être douloureuse si je passe par là. Non, ça va? Ça va. Il y a de drôles de bestioles chez vous. Et c'est des drôles de taupes en fait. Yo. C'est par où? C'est par là. Oh là là. Modificateur d'apparence Protostar. Que peut faire Protostar pour assouvir votre soif de consommation? Je peux modifier le visage carrément, c'est... La tronche qui se tape avec ce truc là. Contre des PA. Des PO carrément. Juste pour voir. Donc oui, je peux tout modifier littéralement. Et apparemment il aurait des coupes en plus. Bon, c'est pas grave. Une boîte à lettres. Poste de graveur des runes. Vendeur de montures de location. Moi je voudrais pas une location. T'as pas une... Nous acceptons toutes les devises en circulation au sein du Dominion. Par contre, si je peux tout réparer, du coup, ça m'intéresse. Merci. L'agent. Agent Cognosa. Bonjour. Bien, c'est toi. Cette enquête est notre priorité absolue. Nous devons en apprendre un maximum au sujet des Ictiens. Une histoire, un problème. Mes capteurs ont été ton arrivée, Esper. Cela n'augure rien de bon. De nombreux événements anormaux se sont déroulés. Une meilleure connaissance des Ictiens. J'ai réussi à abattre un vaisseau Ictien, mais Makum a été blessé lors de l'accrochage. Retrouve ce vaisseau et vois ce que tu es en mesure d'apprendre sur la technologie ictienne. J'y vais de ce pas. Ne reviens pas tant que ta mission. Est-ce qu'il y a un système de taxi?
Parce que je me verrais mal retourner là-bas, genre à pied. Donc le vaisseau il tient, j'imagine que c'est ce qu'il y a là-bas. Ok. Aïe. Wow. Fais déclencher les systèmes de sécurité du vaisseau, attention. Oui bah j'avais remarqué, merci. Hop les, toi tu es à moi. Voilà. On dirait que le vaisseau dispose d'un système de sécurité basé sur la structure primaire ictienne. Tu vas devoir trouver un moyen de le neutraliser. T'es drôle toi. Tu as un ictien fine peau pour lui prélever un échantillon de génétique. Un échantillon génétique. Le voilà. Putain, il est balèze le sac, hein. Tiens, vas-y, fuis un petit coup, ça va faire du bien. Wow! Tiens, bouffe! Oh la vache, il fait mal, hein. Mais il est niveau 13! Et je suis que niveau 11! Ah oui, je comprends pourquoi j'en chie. Je suis pas du tout au bon endroit au final. Oh non! Un autre. Appelez. Mais mec! Je ramène un copain! Il est pas si amical que ça en fait. Bon, on retourne voir le vaisseau. C'est quoi cette bébête? Crapule des broussailles. Oui, si tu le dis. Alors. Accès au vaisseau. Agent primaire de l'ictien fine peau pour accès aux données, d'accord, ok. Retournez voir l'agent Cognosa. Bon. Cette enquête est notre priorité absolue, nous devons en apprendre un maximum, d'accord. Alors, je trouve intéressant que les ictiens utilisent leur structure primaire comme mesure de sécurité, je présume que cela passionnera encore davantage Makum. Sans blague. Je suis impressionné. Alors, un instant. Voilà, excusez-moi, c'est parce que je suis encore à moitié malade, c'est chiant. Un objet volant non identifié. Oh. Caraco schisteux, ça a l'air sympa. Juste pour voir, prévisualiser l'objet, d'accord, c'est celui que j'ai déjà. Ah, ça c'est de l'armure. Les données que tu as récupérées révèlent que les Ictiens possèdent une base majeure à proximité, utilisant un échantillon primaire pour pirater un disque dur, transporter de transport et localiser cette base. Malheureusement, on va pas le faire tout de suite parce qu'on n'a pas le niveau pour cette quête. Clairement, hein. On va la prendre, par contre, je l'ai pas prise apparemment. Cette situation m'inspire. Aucun problème. Vous voyez, niveau 12, on est à peine niveau 11, donc on est trop juste. On va essayer de rentrer, mais alors faut que je trouve sur la map. Il me reste des quêtes un peu partout, d'après ce que je comprends sur la map. Juste pour voir. Ça me coûte une PO pour y aller partout, quoi. La peau du cul, quoi. Littéralement. Bah écoutez, je vais suivre la route directement. Et je vais pas aller plus loin. Je vais reprendre la route, on va rentrer à là-bas. Je sais plus comment ça s'appelle, Perselune, je crois. Et on verra bien une fois rentré. Parce que là, franchement, les amis, je le sens pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Utiliser sac de couchage. D'accord. En fait, je viens juste de... En fait, c'est des péripatéticiennes. Et des péripatéticiens. D'accord. Parce qu'en fait, ce qui vient de se passer, c'est que je viens de coucher avec un... Avec un PNJ. Ce qui fait qu'en fait, si je me déconnecte tout de suite, je vais coucher avec lui jusqu'à ce que... Pas jusqu'à ce que mort s'en suive, mais presque. Enfin, vous comprenez, quoi. Alors ici on a un truc. Le Léviathan, groupe 2 plus, niveau 13 par contre. Ouais, je pense que je pense pouvoir m'en charger. Il est censé être où?
À 1000 mètres, ah non, trop loin. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop loin. Le point vert, c'est quoi? Ça correspond à quoi exactement? Vendeur. Allons voir. Vendobot téléachat. Ah putain, c'est génial. C'est excellent. Le nom est excellent. Par contre, ils proposent rien à vendre en fait. C'est génial. C'est juste pour vendre en fait nos. Bah tiens, on peut peut-être le faire. On va gagner un petit peu d'espace. Vendre les déchets. Hop. Reprenons la route. Ah oui, c'est là qu'on a buté un paquet de choses, effectivement. Je m'en rappelle. Te la pète pas trop, Mouduglan. Pro de l'achat malin. Qu'il est con. Souvent, quand ils disent. Quand dans un jeu où tu as la possibilité de payer, quand on t'appelle achat malin, plus un pigeon qu'un achat, un acheteur malin. Ou un acheteur compulsif, à tout péter. Alors. Effectivement, c'est un peu long par la route. Hein. Activer l'UCJ. Non, non, ça ira, je te remercie. Alors, apparemment, on a une quête ici aussi à prendre. Avec une chier de bouquin. Ok. Gardien rayonnant, vésir. Notre avant-poste a besoin d'une lame affûtée. Niveau 12. C'est encore un peu trop. Affûte ta lame jour après jour, les daguins grignotent du terrain sur notre avant-poste. La toubib rayonnante Vakuna a été blessée durant sa patrouille. Va voir comment elle se porte. Ils attendent ta venue. Elle est là-bas, mais je n'irai pas tout de suite. What? Oh la vache! On peut littéralement dire qu'il l'a bourré. Apparemment, il y a un donneur de quête sur la route. On y va. Ce jeu est quand même loin d'être moche, hein. Il me rappelle énormément World of Warcraft. Hein. C'est assez incroyable. Et Dieu sait que j'en ai passé des heures sur Go, quoi. Alors, qu'est-ce que tu me proposes, toi? Je sens que tu me proposes un autre type de donjon. Le long voyage, niveau 13. Tu n'es pas au courant, ma mine de l'astéroïde M13 est infestée de bestioles extraterrestres. Je cherche des gens pour y aller et me noyer toutes ces fermines xénomorphes. Compte sur moi, Milo. Tu vas leur montrer de quel bois tu te chauffes. Oui, oui. Au bois Woodstock. Je peux vous le conseiller, chers amis. Moi, quand je mets ma cheminée en marche, c'est du bois Woodstock. De la marque Woodstock. Est-ce qu'au moins, quand j'utilise ce bois-là, il est consumé en entier. Il reste pas des putains de bouts de merde de charbon, quoi. Sois béni, citoyen. Répandre la bonne parole. Salut, citoyen. Cette glorieuse statue t'inspire. J'ai besoin de toi pour répandre la bonne parole de l'église de l'éveil. Tâche de convertir ces créatures de brie-poil. Je l'ai pas déjà fait. Ils attendent. Convertir les loops de brie-poil. Mais si, j'ai déjà fait ce truc-là. C'est une quête de réputation. Je ne sais point. 7, c'est quoi ici? Utiliser le taxi, là c'est quoi? Recruteur des proto-jeux. Truc de quête. Location. Je veux pas de la location, moi, je veux du vrai, du lourd, du balèze. À la société sur Nexus, en participant à l'Académie des proto-jeux. En voilà un. Ah merde, non, c'est ça, ah oui, c'est ça. Hop. Voilà, et de 1. À son tour maintenant. Et de 2. On l'a déjà fait, mais suivant ce que ça rapporte, ça peut être intéressant. Et de 3. Ok. Voilà. 4.
apparemment on a une chier de quête à faire aussi par là. C'est incroyable. Ah mais non, c'est la même, si je compte cette quête là qu'il faut faire. Hop. Voilà. Nous sommes à 8, 6, seulement 6, putain. Faut encore un paquet. Et ça va nous faire toujours de l'XP en plus quoi, c'est ça qui est bien. As-tu déjà pas entendu parler de la parole de notre seigneur et maître? Non, tu veux pas. Marcus Bonus, tu connais? C'est moi. La plus grande divinité. Tu vois sur la photo, c'est moi. Bon, j'avais les cheveux blonds à l'époque, mais c'est parce que j'étais jeune, j'étais encore un rebelle. As-tu déjà entendu parler du seigneur Marcus Bonus? Non? Tant pis. Est-ce que quelqu'un n'a pas entendu parler du seigneur Marcus Bonus dans le coin? Il n'y avait pas un qui était planqué derrière un caillou, un truc comme ça? Ah ah! Je savais qu'il y en avait un qui était planqué derrière un caillou. Hop là. J'ai déjà fait? Merde. Mais non, pas celle-là. Celle-là, voilà. Tu peux parler. Ça a apporté de l'XP citoyen. Un petit peu, oui, non. Pas plus que ça. Bon, bah tant pis. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam, joueur de la Playroom, dans faire trois liens dans la barrière de la chaîne, n'hésitez pas à cliquer dans les trivia des épisodes de certaines de mes vidéos, vers mon partenaire Gameset.com qui m'a gracieusement fait Agatha Christie, Star Wars Battlefront, un grand merci à eux. Vous pouvez aussi retrouver le lien directement dans la bannière de la chaîne ainsi que le lien du groupe Steam et de la chaîne Twitch. Je vais peut-être me mettre du Twitch de temps en temps, ça va y aller hein. Ça va finir par arriver. Donc encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter vis-à-vis du son, vu que moi j'ai la mise à jour qui a été faite. Je sais pas trop si les sons étaient différents, enfin, sont gérés différemment au niveau du jeu. Donc voilà, encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les gens. J'ai la voix qui va partir dans la toux d'ici 15 secondes. Ça va être d'une violence.